Η γαλλική κυβέρνηση παρακολουθεί με προσοχή τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις τουρκικές προκλήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ, τόνισε ο Γάλλος πρέσβης Κριστόφ Σαντεπή σε συνέντευξή του στην Κρήτη TV. Στην πρώτη του επίσημη επίσκεψη στα Χανιά ως πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα, ο ανώτατος διπλωμάτης δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για τις μονομερείς έρευνες της Τουρκίας για εντοπισμό υδρογων ανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο και τις απειλές που εκτοξεύει προς τις ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη. Il y a de cela un peu plus de 15 jours, le président de la République française, M. Macron, a eu une conversation téléphonique avec le président Erdogan. Il lui a fait part de la préoccupation de la France et de la nécessité que la souveraineté de Chypre soit respectée. Et bien évidemment, le gouvernement français, avec ses partenaires européens, continue à suivre avec beaucoup d'attention la situation qui existe autour de Chypre. Για τα ενεργειακά νότια της Κρήτης και γενικότερα για την αναζήτηση κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ελλάδα, ο κύριος Σαντεπή έκανε λόγο για μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα, επισημένοντας το ενδιαφέρον της γαλλικής Total. Il y a évidemment autour de la Crète des zones dont on pense qu'elles sont potentiellement riches en hydrocarbures et ou en gaz, mais Total est également présent du côté des mers de la mer Ionienne, des îles grecques de la mer Ionienne, et va commencer dans les prochains mois des travaux de prospection. Alors bien sûr, Total est intéressé et se positionne sur ce projet du futur. Ο Γάλλος πρέσβης εκτίμησε ότι το κλίμα εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα αποκαθίσταται και αυτό επιβεβαιώνεται από το ενδιαφέρον γαλλικών εταιριών να επενδύσουν στη χώρα μας. Δεν απέκλεισε μάλιστα το ενδεχόμενο σύμπραξης εταιριών από τη Γαλλία με την Τέρνα για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Il y a donc un intérêt des entreprises françaises pour la Grèce qui est en train de décoller. C'est important et ça correspond d'ailleurs à une promesse qui avait été faite par le président Hollande à la Grèce lorsqu'il était venu en octobre 2015 en Grèce, à Athènes, où il avait dit « Nous allons aider la Grèce dans son redécollage économique et nous allons inciter des entreprises françaises à venir investir en Grèce. » Nous y sommes, des entreprises françaises sont en train de venir en Grèce ou d'y revenir si elles s'en étaient un peu éloignées. Et évidemment, s'il y a des projets de grandes infrastructures comme l'aéroport de Castelli, il y aura évidemment des entreprises françaises qui se positionneront et qui seront intéressées. Για το ενδεχόμενο εκδήλωσης ενδιαφέροντος γαλλικών εταιριών για τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, ο κύριος Σαντεπή είπε ότι είναι πιθανό. De grandes entreprises françaises, je pense notamment à Vinci, sont présentes depuis maintenant très longtemps en Grèce sur les grandes infrastructures routières et autoroutières. Et Vinci fait partie des entreprises françaises qui sont restées en Grèce malgré la crise, qui ont d'ailleurs repris une activité plus importante. Par exemple, l'axe Athènes-Patras qui a été terminé, inauguré il y a un an, Vinci y a pris toute sa part. Et donc, il y a du nord de la Grèce jusqu'au sud de la Grèce, toujours un intérêt d'entreprises françaises pour les infrastructures routières et autoroutières. Αν υπάρχει ένα κράτος που έδωσε μάχη για να κρατήσει τη θέση του στην καρδιά της Ευρώπης, αυτό είναι η Ελλάδα, είπε ο κύριος Σαντεπή, τονίζοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνεχιστούν. Je n'ignore pas que la Grèce n'est pas encore sortie de la crise. Je n'ignore pas que la vie quotidienne pour beaucoup de Grecs continue à être difficile. Mais la croissance est de retour. Les comptes publics sont équilibrés, plus qu'équilibrés, puisqu'ils dégagent un excédent qui est même supérieur, qui a même été supérieur en 2017 et en 2016 aux objectifs qui avaient été fixés. Et il y a donc tous les éléments pour être optimiste pour la Grèce de demain. Et la France, comme ami historique de la Grèce, ne peut que souhaiter que ce mouvement d'optimisme et de confiance continue. Il va falloir encore des efforts,